salle des problèmes, je nettoie tout quand t'es là. Ce soir j'oublie tout quand tu dors dans mes bras. Ça va, je te remercie. Merci beaucoup pour ton accueil, merci d'avoir accepté cette interview. Et merci de m'accueillir dans ton studio, il est magnifique. On m'a déjà demandé, on m'a déjà sollicité pour m'exprimer sur cette affaire et ça s'est mal passé. Ça s'est mal passé dans le sens où il n'y avait qu'une seule version et puis ça, j'ai essayé de répondre un peu maladroitement sur Twitter et c'est pas le meilleur endroit pour répondre. Donc ça m'a plus causé du tort qu'autre chose. Donc je me suis dit autant maîtriser, tu vois, ma version des faits. J'ai essayé de convaincre personne, tu vois, mais j'ai un truc que j'ai vécu, je préfère le raconter moi-même pour passer à autre chose une bonne fois pour toutes. Je pense que ça fait quand même beaucoup d'années. Tu vois. En tout cas, ça m'aide beaucoup dans mon enquête, sache-le. J'aimerais, si tu le veux bien, qu'on revienne sur un conflit qui a énormément fait parler. Donc ce conflit te concerne toi, l'artiste, et Marwa Loud, une artiste que tu as signé et produit il y a quelques années maintenant. Ouais, enfin, ça ne concerne pas qu'elle, en fait, ça concerne un peu tout mon environnement de l'époque, parce que j'ai plus de contact avec toutes les personnes avec qui je travaillais à cette époque-là. Alors justement, on va y revenir pour recontextualiser un petit peu. Quand et comment tu as connu Marwa? Comment tu l'as repéré? Je l'ai repéré par rapport à un ami et mon petit frère à l'époque qui m'ont parlé d'elle. Ensuite, je l'ai vu sur les réseaux avec un titre, je trouvais ça bien. Et à ce moment-là, ma carrière marchait bien, j'avais de quoi produire des jeunes artistes. Je me suis dit pourquoi pas. Le contact s'est fait facilement et en fait, je me suis rendu compte que en voulant lui parler, en fait, j'avais déjà un message de sa sœur qui elle voulait me parler. En gros, comme quoi elle voulait que faire un featuring avec moi. Donc avant que j'ai la contact pour la produire, j'avais déjà un message moi. Quand tu débloques tes DM avec une personne, tu vois les messages, précédents. Okay. Donc le message précédent c'était ouais, j'aimerais bien te rencontrer. Et du coup, tu la signes et comment se passe votre collaboration au début? Ben, tout se passe très bien. Tout se passe très bien. Tu sais, c'est une petite sœur, elle est plus jeune que moi. Je suis un artiste, on va dire, je suis au top, vraiment. Maintenant, avec du recul, je peux te dire que ouais, c'était à ce moment, cette période-là, c'était l'étape de ma carrière. Et le truc, c'est que je la conseillais, quoi. Je faisais juste mon travail d'accompagnateur. Son premier album, Loud, je crois qui s'appelle, c'est ça? Je me rappelle plus. Ouais, c'est ça. Je crois. Toi, t'as bossé sur ce projet? Ouais. Ok. D'après mes informations, la relation entre ta femme et Marwa est un peu tendue parce que Marwa lui aurait manqué de respect à plusieurs reprises. Ton associé de l'époque a même dû intervenir, d'après ce qu'on m'a dit, organiser une réunion. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Si tu veux, ça commence par des trucs de chamaillerie comme ça, de manque de respect parce que tu vois, elle a pas forcément son âge, ma femme est plus âgée qu'elle, donc moi j'ai voulu intervenir et j'ai voulu faire intervenir mon associé à l'époque. C'est quoi des manquements de respect? Qu'est-ce qui peut être? C'est passer devant et pas serrer la main et serrer la main à tout le monde sauf à ma femme, des trucs comme ça. Moi j'estime que c'est des trucs de chamaillerie, je comprends après coup, mais sur le coup ça fait juste chier, tu vois, j'en parle à mon associé et lui ça le fait chier plus que moi je pense. Et du coup là ça commence, on va dire on commence à voir naître des réelles tensions là, à ce moment-là. Donc entre toi et ton associé ou entre toi et Marwa? Entre tout le monde. Ok. Des tensions en général en fait. Dans le label, dans ouais. Votre label. Surtout que moi à ce moment-là, je travaillais beaucoup, c'est-à-dire que j'enchaînais beaucoup de showcases, beaucoup de voyages, beaucoup de concerts, beaucoup d'interviews, beaucoup d'événements. Et tu vois, à force d'être sollicité comme ça, tu vois, t'es fatigué, t'as pas forcément tout le discernement qu'il y a besoin. Pour comprendre une situation. Donc cette situation-là, ouais, a commencé à partir un peu en tension un peu partout. Mais j'étais trop fatigué pour finalement me concentrer là-dessus. Alors justement, on vient de parler de ton associé. Tu as été associé avec une personne qu'on appellera Monsieur R pendant plus de 7 ans, c'est ça? Mmh. Donc en 7 ans et avec le succès fulgurant que tu as eu, Je suppose que ça crée de vrais liens. Comment lui, il a agi quand justement
ça a commencé à chauffer entre toi et Marwa, qui a commencé à avoir une séparation. Comment est-ce qu'il s'est positionné? Si tu veux, c'est délicat parce que c'est pas ses histoires. Et comme je t'ai dit, à ce moment-là, on est fatigué, on enchaîne beaucoup de concerts. Mais à ce moment-là, quand moi je lui demande d'intervenir, ouais, c'est parti en live. Il y a eu des tensions, comme je t'ai dit au départ. C'est à cause de ça, quand je lui ai demandé d'intervenir, il n'a pas forcément répondu comme moi je l'attendais. Ok. Tu vois? Donc là, quand je te parlais de tension, c'est là vraiment où ça a commencé à foutre la merde dans notre label. Parce qu'on était parti sur des très bonnes bases, tu vois, on avait charbonné ensemble, comme tu as dit, depuis 7 ans. Tu vois, on était sans contrat ensemble, à 50-50. T'imagines, c'est-à-dire qu'il a Sans contrat, sans c'est-à-dire que vous contrat, n'avez jamais rien c'est que signé. je trouve le nom Purple Money, lui le met sur sa société, moi je monte une autre société, et tous les gains, on se les sépare à 50-50. C'est-à-dire que lui, avec sa société qu'il a nommée Purple Money, il a 50% des gains. Et moi, avec ma société que j'ai nommée Zain Corporation, j'ai 50% des gains. J'ai compris. On a travaillé comme ça pendant 7 ans, sans triche, sans voler, sans que l'un vole l'autre, avec tout le respect du monde. Jusqu'au jour où cet embrouille est arrivé, où un truc qu'on pourrait, tu vois, un truc anodin en vrai. Tu vois, c'est un. Demander à son associé d'intervenir dans un conflit au sein de son entreprise. Mais comme je te dis, moi, je pense à ce moment-là, j'étais très irrité et très irritable. Tu vois, donc il y avait beaucoup de fatigue. Je pense que. Et des deux côtés. Et c'est parti en live. À un moment, il y a eu un manque de respect, notamment une insulte. Ce qui était inédit. En 7 ans, on a. Tu vois, il n'y avait jamais eu de manque de respect entre Alors, on nous. me l'a dit, j'ai bien enquêté. Ouais, bah, j'imagine bien. J'ai pas compris du tout en fait. Donc c'est. Tu vois, à ce moment-là, moi je commence à rentrer dans une autre dimension dans mon label. En fait, on rentre dans une nouvelle dimension. Tu vois, avec l'arrivée de cette jeune fille, vraiment, pour moi, c'était. On a tout commencé à changer en fait autour. Et personne n'arrivait à le voir. C'est là où moi, quand je voyais des blocages comme ça, sur des trucs comme ça, des blocages de communication où on se comprend plus et de ça, je me dis, mais c'est bizarre en fait, on a tout passé, on a tout traversé, on a percé ensemble et ça on n'arrive pas à le passer. Ouais. Donc ça me paraissait Étrange. étrange Alors, et tu dis. ça me mettait dans un nouveau truc, moi. Personne n'a rien vu, mais il me semble que si, parce que ta femme, à un moment donné, a embauché un détective qui s'est mis à suivre donc Marwa, sa sœur Safa et son assistante Afida. C'est la vérité, c'est ce qui s'est passé. C'est ce qui s'est passé parce que il y a eu toute cette période d'embrouille, toute cette période trouble. Et à un moment, tu sais, comme tout chef d'entreprise, je décide de reprendre les choses en main et de, on va dire, de mettre une bonne ambiance. Donc on décide de partir à Amsterdam tous ensemble, ma femme y compris, pour justement apaiser toute tension dans le label, plusieurs mois après, hein, tout ça. Ok. C'est genre, on est à genre 6 mois après, comme ça. Il y a quasiment tout le label, sauf mon associé à ce moment-là. Et on est à Amsterdam, tout va bien, tout va. Tu vois, on sort à Amsterdam, on fait ce que font tous les jeunes à Amsterdam, tu vois. On passe une journée là-bas, shopping et tout. Après, on rentre, tu vois, on rentre à Paris. Et pour moi, tout est réglé quasiment, tu vois. Donc, je peux reprendre Ça y mon est, on travail. repart sur de nouvelles bases. Et du coup, en rentrant de ce séminaire pour recoller les morceaux à Amsterdam, vous rentrez à Paris. Et il semble que toi et Marwa, vous devez retourner au Maroc pour le travail, c'est ça? Ouais, bon, c'était pas forcément un séminaire. Vraiment, on était plus en train de détendre l'atmosphère qu'autre chose. Ok. Donc ça devait se continuer à Marrakech. Et ouais, moi je suis pas parti. Eux ils sont partis, moi je suis pas parti. Et donc à ce séjour-là, je sais pas ce qui. Apparemment, il s'est passé un truc à Amsterdam Qui a éveillé les ouais, soupçons qui a de éveillé ta femme. les soupçons de ma femme. Là, ta femme, à ce moment-là, quand elle part au Maroc, elle entreprend d'engager un détective, c'est ça? Vraiment. Ok. Vraiment, ça, au départ, j'en ai aucune idée. Ok. Tu vois, genre, même quand on me l'apprend, je dis, mais ça va pas, c'est un truc de ouf de faire ça. Tu vois, parce que c'est pas des choses que je fais, moi, que j'ai l'habitude de faire, et c'est pas des choses que j'aime voir faire.
en général, tu vois. Il y avait pas mal d'éléments, et notamment le fait qu'elle m'a dit, en fait que, qu'elle a contacté le détective de manière anonyme. Sauf que le détective, il lui sort à un moment un enregistrement vocal entre lui, le détective, qui apparemment était aussi en même temps un chercheur d'or, donc il avait des chercheurs de trésors là, ils ont des liens avec des marabouts. Donc apparemment elle avait une discussion avec un marabout qui lui a sorti mon prénom et le prénom de ma mère. اسمي يليم البغني خدمو يوسف اش ولد من يوسف. Donc là, à ce moment-là, je te dis qu'il y a quelque chose. Ouais. Bah sinon, si elle me ment à ce niveau-là, tu vois, on a deux enfants. Je t'explique. Ouais. On a deux enfants. Ma carrière va bien, comme on le disait tout à l'heure. Tu vois, si elle me ment à ce moment-là, c'est que vraiment, c'est que la personne avec qui je partage ma vie cherche à me nuire. Tu sais, ça existe. Tu vois, ça existe des couples qui se font du mal et de ça dans la vie. Mais tu sais, je vois pas trop les raisons à ce moment-là pour qu'elle fasse ça. Donc dans un premier temps, je ne suis pas d'accord avec ce qu'elle a fait. Et dans un second temps, tout de suite après, bah, je l'ai cru. Et j'ai décidé de m'en parler à mon associé. Si tu veux, je suis à l'annonce de mon prénom et du prénom de ma mère, sachant que ma femme m'a dit qu'elle a fait toutes ses démarches en anonyme. Tu vois, donc il n'y a rien qui pouvait remonter le détective qu'elle a engagé à une combinaison comme celle-là, une combinaison de deux prénoms qui sont... justement mon prénom et celui de ma mère. Dans un premier temps, ce qui a interpellé ta femme avant cet audio-là, c'est quand même le fait que Marwa et sa sœur ont donné rendez-vous à une personne qu'on appellera Monsieur C, et qui était un ami à toi qui travaillait dans le label. Donc ils se sont vus là-bas au Maroc, mmh. et ta femme, elle comprend pas à ce moment-là l'objet de leur rencontre. Si tu veux, oui et non, parce que, bref, comme tu disais, c'était un ami, il avait l'habitude d'être au Maroc. Mais, donc ouais, il aurait très bien pu être là-bas à ce moment-là, au même moment. Je mets pas plus d'importance que ça, mais je sens qu'il y a un truc bizarre qui se passe. Et je sais que parmi toutes ces personnes-là, il y a une personne qui connaît le prénom de ma mère. Tu vois? Tu peux dire c'est qui? C'est mon ami que tu disais à cette époque-là, mon ami. Il connaît le prénom de ma mère parce que elle a déjà eu des papiers avec son prénom et son nom de famille. Le doute, il est trop fort, tu vois. Et l'émotion, elle prend le dessus parce que il y a un sentiment qui rentre, celui où tu te sens trahi, tu vois. Tu sais qu'il y a des problèmes, c'est normal. Mais tu vois qu'une information comme celle-là, tu vois, comme le prénom de ma mère, ressorte dans cette affaire. Tu vois, ça m'a choqué, je me suis senti vraiment trahi à ce moment-là. Ouais. C'est pour moi l'élément déclencheur de ce qui fait que je cherche activement, tu vois. Parce que si tu veux, à la base, je comprends pour vouloir qu'on peut vouloir faire du mal à quelqu'un ou qu'on peut vouloir manipuler quelqu'un pour arriver à ses fins, avoir un intérêt dans un label de musique pour une jeune artiste, tu vois. Mais là, pour un pote qui est là, qui est censé juste être un soutien, je comprends pas le mobile, en fait. Ok. Pourquoi? Donc, j'essaie de ce que je veux. Tu vas dans une démarche de compréhension, de comprendre ce qui s'est passé. Tu vois, je veux punir personne. Ouais. Tu vois, je veux tuer personne. Je veux frapper personne. Je veux juste comprendre. T'en parles à ton associé et vous allez au Maroc ensemble, c'est ça? Dans un premier temps, pour rencontrer le patron du détective. Parce que même si c'est illégal d'avoir une agence de détective privé au Maroc, ouais. Et bien, il s'avère qu'ils avaient une agence de détective privé au Maroc. Mais dans un premier temps, moi, le détective privé, je l'ai eu au téléphone. Je l'appelle, je lui dis, bon, tu viens de me donner trop d'informations, trop de trucs bizarres sur moi. Je t'explique, je te propose un truc, je te propose directement, clairement, 10 000 euros. Là, tout de suite, à l'aéroport, j'arrive à Marrakech, je te pose 10 000 euros. Tu m'emmènes chez le marabout, je veux juste une preuve, tu vois, un audio ou un truc filmé, comme quoi il répète. Ce qu'il t'a dit à toi au téléphone. Mais devant toi, tu vois. Devant moi, ouais. C'est tout. Et que j'entende et que je sache vraiment que c'est pour être vraiment sûr. Ouais. Tu vois, pour être vraiment sûr. Après, à ce moment-là, j'en aviserai avec mon associé. Il a refusé. Le détective, il a dit non. Sa réponse à l'époque, le détective, c'était clair. C'était, moi, je ne te connais pas. Lui, je le connais.
Toi, ce que tu peux me faire, je m'en fous. Ou ce que tu peux me proposer, je m'en fous. Mais lui, ce qu'il peut me faire, il peut me détruire ma vie, détruire la vie de mes enfants et te détruire toi aussi avec. Donc, je préfère pas m'approcher de Il lui. a eu peur du sorcier. Il a eu peur du sorcier, du marabout, sorcier, ils appellent ça comme ils veulent, tu vois. Et moi, ça m'énerve, tu vois, parce qu'il a la clé de. Mais un des sentiments le plus fort qui mène les hommes, c'est la peur. S'il a vraiment peur de cet homme, c'est compréhensible qu'il ait reçu, même si, enfin, qu'il ait refusé, même si 100 000 dirhams, c'est énorme pour ce que tu lui demandais. Donc tu pars quand même au Maroc au final. Tu vas avec ton associé et vous rencontrez son patron, le patron de l'agence. Il y avait même le pote que tu disais. Monsieur C, il vous rejoint aussi là-bas. Aussi. Et qu'est-ce qu'il vous dit le patron de l'agence? Patron de l'agence, il dit que c'est impossible de trouver le. D'avoir le marabout parce que le marabout est parti en Égypte. Je dis, parti en Égypte. Je dis pourquoi? Il me dit parce qu'apparemment il travaille là-bas. Il part en Égypte parce qu'en Égypte, il y a toujours des, tu vois, des fouilles, on va dire, pirates, tu sais, des fouilles illégales dans les tombes des pharaons, des rois, des trucs de l'histoire égyptienne et ça. Et qu'ils ont toujours besoin de marabouts comme ça pour. Ok. Et je lui dis, ok, mais il revient quand? Il me dit, on ne sait pas, il revient quand, mais en tout cas, l'autre, il a peur, il ne veut pas vous rencontrer. Mais Le il confirme détective, il quand a même peur. les dires de son détective. Lui confirme les dires de son détective. À la base, lui, il dit, il y a quelque chose. Ok. Il dit oui, non, c'est vrai, il y a quelque chose, c'est juste que là, il a eu peur. Mais on va trouver une solution, vous inquiétez pas, vous inquiétez pas. Excuse-moi pour tout à l'heure. Ça fait quand je suis énervé, moi, ça m'a torqué bzaf, smhili ya bzaf. Tu es très correct. Ta sahabti il est très correct. Moi, j'ai un peu mal pris avec le terme les hadarna alayhi ça fait. Mais ken khair, ken on a un résultat, d'accord? On a investi personnellement, درنا كتار من الجهد باش نعاونوكم. الحمد لله وصلنا لواحد واحد الريزلتا تنغدا ونحكي لك داكو الوغ جو ميكسكوز يلاه بالسلامة. Et moi, je commence à m'impatienter. Et tu vois, c'est là où je fais une première erreur, c'est que je m'impatiente tellement, tu vois, que je commence à être menaçant. Ok. Tu vois, quand tu menaces des gens qui ont déjà peur, tu vois, bah, t'as vu peut-être qu'ils ont plus peur de ce qui, du marabout que tes menaces. Tu vois ce que je veux dire? Du coup, Complètement. tes menaces, tu deviens juste ridicule en fait Ouais. quand tu menaces, tu vois, donc ça sert à rien. Je vais voir un commissaire de police, le commissaire de police de Marrakech. Tu vois, pour t'expliquer, le commissaire de police de Marrakech à cette époque-là, en 2017-2018, bah, il est connu, tu sais, son nom, c'est le chef de la police Je sais, je sais. à la J'ai même les préfecture. dépositions, j'ai leurs dépositions à tous. À la préfecture de police. Il me dit, on va le rechercher activement, t'inquiète pas, et dès qu'on l'a, on t'appelle. Moi, à ce moment-là, je le cherche de mon côté aussi. Mais t'as vu, il se passe 2 mois et demi, et j'ai un single qui est sorti. Ah oui. Donc j'ai un single qui sort, c'est Mafiosa, c'est pas n'importe Ce quel que j'allais soir. dire, pas n'importe lequel. Pas n'importe lequel, c'est, je crois, le plus gros titre que j'ai pu faire en termes de chiffres et tout ça. C'était incroyable. Et à ce moment-là, je passe en radio et j'ai des. Normalement, on doit faire des événements avec les radios. Ouais. Que ce soit des radios comme Énergie, Skyrock ou Fun Radio. C'est la promotion. On fait des événements parce qu'ils jouent le jeu de nous jouer dans les playlists. Donc OK. on joue le jeu aussi de faire leurs événements. Et j'annule plein de concerts, de showcases, d'événements parce que je suis en train de faire une enquête de merde. Tu veux ce que je veux dire? Ouais, parce que ta tête, elle est occupée à ça. Et elle est occupée à ça parce que pour moi, ça sert à rien d'aller chercher un succès pour un label qui est en train de s'effriter. Vaut mieux essayer de sauver le label et de rattraper les succès Le après. succès après. C'est pas grave. Et tu sais, c'est une deuxième erreur que je fais. Le commissaire, d'ailleurs, il s'empresse de me le dire. Il me dit, retourne à ton travail. T'as mieux à faire que de faire ce genre de recherche et de ça. Mais moi, j'étais. Tu vois, je sais pas pourquoi à ce moment-là, T'avais j'étais. besoin de réponse, Ouais, c'est normal. Je j'arrivais pas à pense avancer que en fait. tout le monde peut comprendre et n'importe qui aurait fait pareil. On t'explique et tu as quelques éléments qui te montrent qu'une personne dont tu es très très proche et que tu côtoies depuis des années
il aurait fait des trucs de fou à ton encontre. Une petite à qui t'as tout donné, que t'as fait venir de Strasbourg, avec qui t'as investi ton temps, de l'argent, etc. Pareil, elle agirait en ton encontre. Je pense que n'importe qui aurait voulu avoir les réponses et aller voir de ses yeux. Je voulais avoir C'était des humain. réponses à ce moment-là, je voulais connaître la vérité, je voulais savoir si on n'était pas tombé dans une escroquerie. Mais tu vois, à ce moment-là, j'enlevais le truc d'escroquerie. Pourquoi? Parce que j'ai proposé 10 000. 10 000 euros, et si ça avait été de l'escroquerie, c'est vrai J'ai que... demandé à ma femme, elle lui a donné combien? Ma femme, elle m'a expliqué qu'elle lui a donné en tout et pour tout, genre un truc genre 450 euros. 450 euros, si c'est un escroc et qu'il est escroque, ben, pourquoi il s'arrêterait à 450 euros si je lui propose 10 000? Il y a 2 mois et demi qui se passent. Et Ouais. pendant les 2 mois et demi, ben, t'imagines bien qu'avec mon associé, ça va de moins en moins bien, parce qu'il y a des showcases que j'annule. Parce que je suis en enquête, tu vois ce que je veux dire? C'est fou de le redire après, tu sais, ça paraît ridicule après, avec le temps. Et Mais. c'est des showcases sur lesquels lui a déjà accepté les dates, déjà encaissé les dates. Exactement. Donc il se passe des problèmes avec des. Et je le comprends, tu vois, je comprends qu'à ce moment-là, il soit déçu. Mais là, pour moi, il s'agit de ma vie, de ce que j'ai construit avec lui aussi, tu vois ce que je veux dire? Donc, il avait ses priorités, j'avais les miennes. Il n'y avait pas forcément de conflit entre lui et moi, personnellement. C'est toute cette situation un peu de merde qui a fait que. Exactement. À l'époque, c'était 2 mois et demi. Ça faisait beaucoup de pertes. Parce qu'à l'époque, on gagnait beaucoup d'argent. Tu vois, on faisait plein de concerts, on faisait plein d'interviews, plein de trucs. Tu vois, ça ne faisait que monter. Tu vois. On gagnait bien notre vie. Et on gagnait moins, du coup, vu que je ne travaillais pas, j'étais plus présent. Et puis, j'étais pas là pour faire les promos et tout. Donc, t'imagines bien que j'ai complètement perdu toute sa solidarité sur cette affaire. Ce qui est normal, enfin, normal Ça dépend pour qui. dans un Pour moi, c'est sens pas normal. business, oui, mais dans un sens amitié, non. Je me rappelle Tu d'une vois? phrase que j'ai dit à l'époque, c'était, tu vois, on prend les bénéfices ensemble, mais aussi on doit prendre les épreuves ensemble. Et Ça, cette c'est vrai. phrase, elle n'a pas été suivie et respectée. Moi, j'ai continué mon petit bonhomme de chemin de mon côté. Là, vraiment, j'ai repris. Tu sais, j'ai mis ma femme de côté. Je lui ai dit, tu t'occupes plus de rien, c'est moi qui m'en occupe maintenant. Et elle s'est acharnée avec ces gens aussi, à les contacter, à vouloir les chercher elle aussi de son côté. Et les gendarmes l'arrêtent au bout de 2 mois et demi. Ils le ramènent. Il arrive dans le bureau du commissaire. Et à ce moment-là, il est menotté, il se met devant le commissaire. Et il dit un truc qui est incroyable au Maroc. Je suis coupable d'escroquerie. Je suis prêt à assumer. Il dit en arabe, il dit, je suis prêt à assumer la responsabilité d'une escroquerie. Mais tout le reste, tous les trucs de marabout et de sorcellerie, c'est inventé, c'est pas vrai. Et moi, je le regarde comme ça et il me sourit. Mais tu sais, genre, il me sourit vraiment. Et moi, je pète un câble, tu vois. Je suis là, je dis, donc en fait, t'as tout inventé, en fait. Et moi, je tape une barre de rire, mais je suis très choqué et énervé en même temps. Je dis, donc, toi, t'es en train de me dire que t'es un escroc pour moins de 1 000 euros, alors que je t'ai proposé 10 000 et tu les as pas acceptés. Ça C'est n'a quel pas genre d'escroc, en ça fait? n'a pas de Et sens. tu viens, en plus, sachant qu'on est sur du 7 mois minimum là-bas, je crois. Donc, tu viens et t'assumes comme ça devant le chef de la police à Marrakech. Je dis, moi, je te crois pas, je pense que t'as parlé avec quelqu'un. Oui. Et ma souris. Je dis, comment tu sais que. Comment tu connais le prénom de ma mère? Il sourit, continue de sourire, tu vois, mais c'était une défiance. Tu vois, comme s'il me défiait. Assumer un truc comme ça, je te dis, vraiment, c'est inédit. C'est les prisons au Maroc, c'est pas le Club Med. Surtout quand t'as pas d'oseille. Tu vois, et un mec qui fait détective privé, comme je t'ai dit, c'est qu'il doit pas Il doit forcément. avoir besoin d'argent. Il doit avoir besoin d'argent. Surtout que c'est pas son entreprise et qu'il est juste, tu vois, et qu'il fait juste des filatures. Je regarde le commissaire, je dis, vous allez laisser passer ça et tout. Et le commissaire, il me dit, vous savez, tu sais quoi, mon fils, retourne à ton travail. Dans ce cas-là, en vrai, tu peux rien faire. S'il est prêt à Ça y accepter est, la c'est mort. responsabilité, ouais. C'est mort. Je retourne à mon travail. Je dis au commissaire, bah, je retourne à mon travail, mais s'il arrive quelque chose, bah. Advienne ce qui pourra. À ce Vraiment jamais moment-là, quelque moi, chose. je suis dégoûté parce que, je t'explique, je viens de parler de mon histoire à mes amis, je viens d'en parler,
des noms sont sortis sur des situations comme ça, c'est pas très, tu vois, c'est pas très joli, tu vois ce que je veux dire. Complètement. Donc, je sais que c'est des informations qui peuvent porter préjudice à quelqu'un. Donc, je suis entre deux, en fait. C'est, je recherche la vérité pour moi et je suis dégoûté parce que j'ai sorti le nom de certaines personnes et j'ai pas de preuves. Je sors du commissariat, au moment où je sors du commissariat, je reçois un message. Je reçois un message de mon ami que tu disais, Monsieur C. qui me dit que mon propriétaire cherche à me joindre. Absolument. Je lui dis ok, tu lui donneras mon numéro et t'arrêtes de me parler par la même occasion. Parce que je suis très très énervé de ce qui vient de se passer. Et je me retrouve à parler avec cette personne. OK. Juste 15 minutes après que je sorte du commissariat. Pour me parler d'un loyer. Mais c'est normal que je ne paye pas le loyer, je ne suis pas là. Ok. J'ai pas de problème de loyer à ce moment-là. Je m'imagine bien. Mais pourquoi le propriétaire ne t'a pas écrit directement? Pourquoi passer par ton ami, par Parce que monsieur? c'était une connaissance à lui Ok. qui faisait de l'immobilier, tu vois. Donc il avait. Justement, je t'ai dit, c'était mon pote. Donc il faisait le lien Ok. avec plein de choses. Tu vois, il donnait des coups de main, on va pas, tu vois, on va pas mentir. Ok. Il était toujours en train de donner des coups de main. Et il se proposait toujours à donner des coups de main. Surtout en ce qui concerne le truc personnel. C'est Donc, ouf, sur c'est. le personnel, il donnait énormément de coups de main. Tu vois, au début, moi, je voyais ça bien, cool. Tu vois. Après, avec le temps, tu sais, maintenant, j'ai un certain âge. Et je me dis que les gens qui sont trop gentils, qui veulent trop donner trop de coups de main, C'est que ça cache quelque chose. c'est des personnes, on va dire, intrusives. Je rentre pour travailler. Donc tu rentres à Paris? Ouais, je fais une première journée Planète Rap, un deuxième jour Planète Rap, où il y avait Caris ce soir-là. Très bonne soirée. J'étais tellement content. Je pars au resto. Justement, il y avait mon associé, un gars de la sécu, un pote à nous. Je me rappelle, on avait mangé un chinois sur les champs, très connu. Très bon d'ailleurs. J'étais un peu éméché. Bon, ben je vais à l'adresse alors, c'est très bien. J'ai fumé un peu et j'arrive en bas de chez moi. J'ai la surprise de d'avoir un comité d'accueil, tu vois. J'ai un comité d'accueil de 6, 7, 8 personnes, je saurais pas te dire vraiment exactement le nom. Alors là, je m'en rappelle. Donc, je me rappelle même très très bien. Je pense que même tout le monde, ça a choqué toute la France. Je me suis vraiment démené pour avoir le fin mot de cette histoire parce que tu as vraiment été mystérieux. Au final, il y a eu des rumeurs qui disaient c'est Marois qui lui a envoyé quelqu'un. On a jamais vraiment eu le fin mot de cette histoire. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai contacté des sources policières avec lesquelles je travaille. Et à ma grande surprise, je me suis rendu. Enfin, on m'a expliqué que tu n'avais pas porté plainte. Il n'y avait pas de plainte sur cette affaire-là. Non. Pourquoi? Si c'est pas trop indiscret. Y a jamais réellement. Je pense que même dans l'histoire de la police française, il n'y a pas de plainte de Youssef Hakdim T'as jamais dans porté plainte en l'histoire. police. Ok. Je pense pas que j'ai porté plainte une fois dans ma vie. Pas parce que je respecte pas le travail de la police ou que je me dis qu'ils servent à rien ou quoi que ce soit ou que je les aime pas ou un truc comme ça. Non. C'est juste que soit j'ai pas été amené à porter plainte dans ma vie. Les rares fois où j'aurais pu porter plainte. Bah, j'ai trouvé une autre solution, tu vois, beaucoup moins, on va dire, radicale. Tu vois, et Ok. par exemple, une fois, je me suis fait cambrioler. J'habitais à l'époque à Vimont. On s'était fait cambrioler, j'ai pas porté plainte. C'est ma femme qui a porté plainte. Mais si tu veux, moi, je me voyais pas porter plainte, tu vois. Je me voyais aller retrouver les petits cons qui sont rentrés chez moi et leur demander de restituer ce qu'ils ont pris. Ok, Mais sauf que le c'est pas truc, dans c'est tes que. mœurs. Je comprends. Après, ça fait partie des codes. Je pense que quand tu es dans le milieu de la musique, quand tu as grandi dans un certain contexte. La voix du silence, Ouais, l'omerta. j'ai encore très bien en tête la story que tu avais faite, la photo que tu avais postée. Enfin, j'ai vraiment été très surpris de voir que tu n'avais pas porté plainte. Dans la version qu'on m'a donnée, parce que tu me doutes, j'ai parlé avec beaucoup de personnes de ton entourage de l'époque, dans le cadre de cette enquête. On m'a expliqué que, en fait, c'était Monsieur C.
qui t'attendait en bas de chez toi. N'y a pas de version officielle de ces qui. Ok. On va pas se mentir. Non? Ben, en Tu fait, vois, c'est ce donc que j'essaye de te faire si dire. je porte, si je porte pas plainte. C'est pas moi qui vais aller le dire sur un plateau télé ou dans une interview. Ouais. C'est un tel qui m'a fait ou un tel ou je un tel. comprends. Tu sais, le truc, c'est que je me retrouve avec des gens que je connais en bas de chez moi. La police, quand elle vient, elle me dit, est-ce que vous connaissez ces personnes? Je suis désolé, hein, messieurs de la police, mais je leur dis que non, je ne sais pas. Je ne sais pas c'est qui, je dis que c'est des personnes cagoulées. Et parce que justement, je les connais, et qu'il y en a certains parmi eux qui viennent de sortir de prison. La plupart, c'est des pères de famille. Tu sais, dans cette affaire-là, si j'allais porter plainte, ils tombaient tous. Bah, rien à foutre, j'aurais porté plainte. Je sais pas comment t'expliquer. Suis encore bas. Ils tombaient tous. S'ils tombent tous, c'est quoi le truc après? Je suis, Ok. tu vois, dans ma ligne de défense à moi. Pour chercher mon haqq, ce que je voulais comme vérité au départ. C'est bon. Tu vois, la gueule, elle est cassée, la gueule, elle est cassée. Je l'accepte. J'ai grandi, comme tu as dit, dans le 93. Moi, j'ai grandi dans beaucoup, beaucoup de violence. Même malgré ce qu'on peut voir de ma musique et tout ça, j'ai grandi dans une extrême violence. Quand je te dis vraiment une extrême violence, tu vois des choses, gamin, que tu n'as pas à voir normalement. Si tu veux, c'est choquant parce que c'est des amis. C'est des gens que tu connais. C'est pas choquant pour la nature, pour moi en fait. Ok. Tu vois, c'est pas la violence qui me choque, Ok. vraiment. À ce moment-là, ce qui me choque, c'est la manière de faire. Voilà. La trahison, parce que ça se fait, tu vois. Ça se fait. C'est sale, tu vois. C'est pas des choses qu'on fait à quelqu'un qu'on connaît. S'il y a un conflit, on le règle. Mais on peut le régler d'une autre manière. Tu vois, moi, c'est comme je connais la personne, je regarde une des personnes, je lui dis, vous êtes sérieux ce que vous faites là? Et au moment où je dis, vous êtes sérieux ce que vous faites là, je me prends une balayette par derrière. Je finis par terre, c'est impossible pour moi de me relever. 2h30 du matin, je suis pas McGregor, mais je suis pas dans ma forme, ma plus grande forme non plus à ce moment-là. Tu vois, je reviens de resto, je suis fatigué. D'accord, tu veux ton tête, il n'y a pas de problème. Je peux l'accepter en plus, c'est ça le truc. Mais. Mais au final, c'était bien ce monsieur C. Au final, c'est qui c'est? Tu vois ce que je veux dire? Je peux pas. T'es un gamin. Non, mais c'est parce que c'est important. C'est important. Parce que si tu décides de ne pas porter plainte, c'est pas, tu vas pas aller en parler après tu vois, devant les caméras. Ça reste quand même un truc qui aurait coûté de la prison aux gens. Ouais, je Je comprends. l'ai pas fait. Parce que, encore une fois, je voulais régler mes histoires différemment. Et puis même. Le lendemain, on a reçu un coup de fil du procureur. C'était d'une procureure. Elle nous dit, bah, vous venez porter plainte. Parce qu'on a les identités. Je dis, ok, madame, j'arrive. J'ai pris mes affaires, mes enfants, et je suis rentré au Maroc. Et du coup, sachant que Marwa Loud connaissait également tes agresseurs, ces personnes qui étaient proches du label, c'était ton cercle restreint au final. Est-ce que tu penses qu'elle ait quelque chose à voir de près ou de loin avec cette agression? Je dirais pas ça, je pense pas. Je pense pas. Et d'ailleurs, c'est ce que beaucoup de haters sur Twitter aiment répéter, tu Oui, vois. c'est vrai, au début, Comme il y a quoi, eu là. quelques rumeurs comme ça, on a Comme entendu quoi, Marwa, genre. elle envoyait des gens. Ouais, voilà. Donc, non, ça c'est. Non, je peux pas l'affirmer, ça. C'est pas plausible, tu vois. C'est pas des choses dont je pense elle est capable vraiment, réellement. Enfin, capable de le faire dans le sens avoir les capacités de le faire. Ok, je comprends. Tu vois, pas dans le sens. Pas capable, j'ai compris. Si. Ok. C'est relou pour moi, du coup, ça touche un peu mon ego un peu et mon orgueil à moi, parce que si tu veux, on valorise quelqu'un à ses ennemis. Ah oui, et du coup, tu te dis le fait de. Je comprends Je comprends. ce que tu veux dire. Pas parce que je suis misogyne, pas parce que c'est une meuf ou je sais pas quoi, tu vois. Mais Sûr. dans ces cas-là, si c'est une meuf, autant que ce soit une meuf, tu vois, vraiment puissante, avec du pouvoir. Ça me fait bizarre parce que c'est des gens que j'ai aidés pour accéder à un certain succès, tu vois. Donc, En je tout me cas. voyais pas être victime de ces gens-là, de ça en tout cas. Comme je D'accord. te l'ai dit, tu vois, j'implique personne dans cette agression. À ce moment-là, il y avait pas mal de gens fâchés contre moi. C'est tout. Moi, ce que je veux, surtout ce qui m'intéresse dans cette histoire d'agression, c'est qu'on retienne qu'il n'y a pas d'histoire d'argent, de contrat volé ou de contrat ou d'argent qui est dû à un tel ou un tel.
n'y a pas d'histoire entre moi et mon associé, par exemple. Le truc avec mon associé, c'est après l'agression, ça je peux le dire parce que c'est des choses qui m'ont touché, par exemple. Tu vois, plus que l'agression, hein, c'est des phrases, tu vois, des phrases du genre « c'est de sa faute, il a trop ouvert sa gueule », tu vois, des trucs comme ça. Tu sais, quand t'attends du soutien d'une personne et que t'entends de ces choses-là… Alors, excuse-moi, c'est-à-dire c'est de sa faute, quoi? Que tu t'es fait frapper? Ouais, j'étais en train de me faire recoudre à vif, et à vif sans anesthésie, parce que ça risquait de paralyser. Okay. Je sais pas quoi, c'était quoi l'histoire, la zone était trop, je sais pas quoi. Bref… Et je me faisais recoudre à vif et j'entends cette phrase incroyable parce que tu te fais recoudre la gueule. Et t'entends, c'est de sa faute, il a trop ouvert sa gueule. Et t'as vu quand tu gagnes de l'argent avec une personne et que t'es là pour cette personne à tout moment, parce qu'on a eu des tentatives, par exemple, plusieurs fois, des tentatives de raquettes, des trucs comme ça, que j'ai pu faire face moi, tu vois. Alors que la victime, la sensée cible, c'était mon associé, par exemple. Tu vois, on voulait évincer mon associé en le menaçant, et tout ça. Et par exemple, c'est des choses qui même ça n'a jamais réussi à nous faire séparer. Tu vois, donc pour moi, c'était solide. Tu vois ce que je veux dire? Mais quand t'entends des trucs comme ça, alors que tu viens de te faire un peu malmener, c'est incroyable. De manière, on va dire. Barbare. D'une traître manière. Ouais. Ça rajoute beaucoup plus. Ok. C'est-à-dire qu'au lieu de compter sur son soutien, il leur a limite donné raison en leur disant c'est toi, t'as trop ouvert ta bouche. Et trop ouvert ta bouche, c'est quoi? Il insinuait quoi par là? En gros, que ce que je faisais au Maroc, mon enquête que je faisais au Maroc, t'aurais pas dû la faire? Ça avait porté préjudice à beaucoup d'amitié et tout ça. Mais bon. Ok. À la rigueur, ça aussi, je peux le comprendre. Mais je constate simplement que voilà, qu'on n'a pas forcément les mêmes valeurs, les mêmes principes et les mêmes façons de penser. Et du coup, j'imagine qu'à ce moment-là, pour ta famille également, ça n'a vraiment pas dû être facile. Comment vous gérez tout ça après l'agression? Parce que du coup, c'est en bas de chez toi quand même. On part. Comme j'ai dit, on part, tu vois. Donc vous partez. Ah ouais. Les enfants, ils sont scolarisés à ce moment-là? Oui, ils se déscolarisent à ce moment-là. Ok. Je les inscris au Maroc. Ok, et vous allez vous installer là-bas? Et on va s'installer provisoirement là-bas pour voir un peu, pour prendre du recul, pour respirer un peu, pour se reposer. Parce que comme je t'ai dit, il y avait de la fatigue. Si en plus de la fatigue, tu as une convalescence, une agression, et tu vois, et des enfants apeurés parce qu'ils comprennent pas, tu vois. Mon fils, il était complètement choqué, tu vois. Mon fils, ça a explosé plusieurs années après, tu vois. Après, un jour, il est venu, il a explosé. On pleure et il a dit, voilà, ceux qui t'ont fait du mal, je vais leur faire du mal. Tu sais, un truc genre 3-4 ans après. C'est pour te dire à quel point c'est traumatisant. Mais du coup, à ce moment-là, qu'est-ce qu'il en est du label Purple Bullet? Parce que même si tu repars au Maroc, il t'appartient toujours à 50%. Je fais un rendez-vous avec mon ancien associé, on sépare le truc. Je pars de mon côté, je lui laisse son artiste de son côté. C'est toi qui l'as découvert, c'est toi qui l'as signé, mais tu lui laisses Maro au final. Statu quo. Et voilà. Chacun part de son côté. Ok, t'as pas eu de compensation, rien du tout? J'ai rien touché sur son premier album. Absolument rien touché, si ce n'est les musiques que j'ai fait, mais ça c'est la SACEM qui, si tu veux, qui gère. Tu sais, quand tu déclares qu'il a fait une chanson et de ça, bon, après tu reçois des paiements, tu vois. Et si tu veux, sur les questions d'albums, les royalties des albums et tout ça, et tout ce qu'elle a pu toucher après dans les concerts et tout ça, j'ai rien touché. Alors que oui, c'est moi qui l'ai ramené dans le label. Et donc tu lui dis en gros, tu gardes l'artiste, tu gardes... Vous êtes revus cordialement, chacun est reparti dans son coin. Vous êtes jamais revus après ça? Si, on s'est revus à des fois, on s'est serré la main des fois. Ok. Tu vois, mais pas plus que ça, tu vois. Et aujourd'hui, c'est toi qui fais une enquête. Ouais. Tu vois, apparemment, je suis impatient de voir ce que tu as découvert. Si tu veux, moi, mon histoire, je préfère la raconter moi, comme ça, personne la raconte à ma place. Toi. Et c'est honorable. Et puis qu'on arrête de parler de ça, et puis qu'on arrête de penser que je m'acharne. Ma vie a complètement changé à cause de cette histoire. Tu sais, clairement, tu sais, quand je faisais 2 millions de vues par jour pendant 6 mois. Ça veut dire que quand tu te réveilles un jour
Et tu te rends compte que, bah, en fait, ce qui t'est arrivé, t'as fait un peu sortir de la mémoire du public. Et quand c'est tu reviens. Ça que tu l'as ressenti, donc. Bah oui. Ouais, ouais, moi j'ai eu complètement. Moi j'ai envoyé des titres, c'est comme si j'existais pas, en fait. Alors que, tu vois, j'avais pas l'habitude. Le plus dur dans ce métier, c'est de se faire un blaze. Je pense qu'on avait fait le plus dur, tu vois. Derrière, t'as juste à envoyer de la qualité. Mais vraiment, et j'essayais de travailler un maximum de qualité, et je voyais que les gens ne me calculaient plus. Et tu penses que c'est dû à cette histoire, ou ça peut être dû à autre chose? C'est dû à cette histoire. Oui, peut-être, mais par quel moyen, je sais pas. Okay. Tu vois, mais C'est là où... Mais, et au-delà de toutes ces pertes-là, on parle de tes amis, du travail, etc. À combien t'estimes la perte financière? Parce que tout à l'heure, tu disais des concerts, des showcases. Ça doit représenter beaucoup d'argent, surtout au stade où toi t'en es aujourd'hui. Bah, c'est simple. J'ai eu une agression une semaine avant l'Olympia. Ouais. Tu vois? Ah, donc, il faut annuler un Olympia. J'ai jamais fait d'Olympia de ma vie. Tu vois? La dernière fois que je suis monté à l'Olympia, c'était celui de neige. Et j'ai fait le titre avec elle. Mais sinon, tu sais, quand on t'arrache dans une carrière d'artiste en France, quand tu vas faire ton premier Olympia et qu'on te l'arrache, ouais. Parce que une histoire de merde comme ça. Et le pire, c'est que je rembourse l'Olympia. Je le rembourse de ma poche. Je me rappelle, c'était 28 000 euros les frais de remboursement pour la date annulée. Et je rembourse ces frais d'annulation. Et je les rembourse tout seul. C'est ça le truc, c'est qu'il y a plus de 50-50 à ce moment-là. Et ça aussi, c'était marrant de devoir assumer cette partie-là tout seul. Mais c'est marrant jusqu'à un moment, parce que ouais, je suis monté à plusieurs centaines de milliers d'euros de pertes dans cette affaire. Ouais. Plusieurs millions. Plusieurs millions. On est sur beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent perdu, parce que il y a des contrats qui ne se font pas, parce qu'il y a un contrat de tournée qui ne se fait pas. Et à ce moment-là, ouais, c'était des très belles sommes qui étaient proposées. Donc, ouais. Ouais, j'ai annulé plein de trucs. Des concerts en Amérique latine. Vraiment, au Portugal, c'était incroyable. Avant les matchs de Champions League, de Porto et tout ça, ils mettaient mon son. C'est-à-dire, tu commences à toucher ce que tu voulais, tu vois. Et moi, à ce niveau-là, au top de ma carrière, bah, j'ai eu cette galère. Et puis, tu sais, c'est un rappel, hein, après, alhamdoulilah, tu vois. Moi, je suis croyant, donc je prends comme un rappel. Je prends comme un rappel à la réalité, à la vie. Ah ouais? Ouais, et puis du coup, alhamdoulilah, tu vois. Pour... C'est beau de voir les choses comme ça. Après, moi, pour moi, rien n'est perdu. Le défini. Ouais, rien n'est perdu. Ouais, bien sûr, bien sûr. Pour clôturer, pour en revenir très rapidement, au final, ta femme, elle a quand même porté plainte, il me semble, au Maroc pour sorcellerie, parce que je le rappelle là-bas, si tu veux, c'est condamnable. On était à ce moment-là obligé de faire cette démarche, parce que sinon, on ne pouvait pas déclencher de recherche du détective. Ah oui, ok. Tu vois, d'accord. C'était simplement pour ça, en fait. Et... Mais personne n'a été convoqué. Ah, c'est ce que j'avais demandé. 4 ans après, est-ce qu'il y a eu un jugement? Personne n'a été convoqué, il y a eu un jugement, si tu veux, chasse d'eau. J'appelle ça les jugements chasse d'eau, tu appuies sur la chasse et on passe à autre chose. Donc, non, personne n'a été convoqué, personne, même je crois que les 7 ans de prison, il ne les a pas fait. Il a trouvé un micmac pour ne pas les faire. L'avocate qu'on avait pris a disparu. Laisse tomber, frère, c'est... C'est-à-dire que... Infime. Tu penses qu'elle aurait pu être soudoyée, ton avocate là-bas, par l'autre partie? Tu sais, c'est comme depuis le début, j'accuse personne. Ouais. Donc j'ai envie d'accuser personne non plus. Alors, sur ça. Peut-être me prendre pour un fou, mais j'ai été mis sur la piste d'un sacrifice d'enfant. Une petite fille du nom de Naïma au Maroc, un enfant zouari qui aurait été sacrifié, pas pour toi, mais pour te nuire à toi. Est-ce que tu as déjà entendu parler de... J'ai déjà entendu cette histoire et franchement,
Je peux pas, tu vois, je peux pas m'exprimer sur un sujet, c'est trop grave. Juste, est-ce que tu sais ce que c'est qu'un enfant zoharie? Ouais. Qu'est-ce que c'est? Un enfant zoharie, c'est un enfant avec des particularités physiques, tu vois, ouais. Et qui est relativement détesté par les petits chaitans, les petits djinns maléfiques. Les djinns. Il les déteste parce que ces enfants-là ont une capacité, tu vois, à les faire flipper, je comprends pas pourquoi. Tu sais, je vais pas te mentir, on m'a approché pour me parler d'une histoire comme ça, mais comme je t'ai dit, c'est tellement grave. Apparemment, il y a un témoignage d'une personne, mais cette personne, si elle se déclare pas, si elle témoigne pas, tu vois, devant les autorités, tu sais, ça veut rien dire. Il n'y a pas d'éléments plus que ça, mais ça fait flipper, ouais. Okay. Ça fait vraiment flipper, ça fait froid dans le dos, mais je sais que ça existe. Ces trucs-là existent. Oui, complètement. Bah, la dernière en date, c'est en France, c'est la petite Lola. Et le pire, c'est que j'ai entendu ça à BFM TV, tu vois. J'ai entendu ça sur les journaux. Sur le plateau de gameplay, on m'a demandé de raconter l'histoire. Je me sentais pas forcément prêt. Et j'avais dit que la France n'était pas prête culturellement à écouter ce genre d'histoire. Et c'était quoi? Tu l'as expliqué l'histoire ou pas? Je peux pas expliquer l'histoire. Culturellement, ce pays n'est pas prêt à écouter cette histoire. On va dire qu'aujourd'hui, on va dire qu'ils sont un peu plus prêts, malheureusement, avec tous ces trucs-là, tous ces trucs qui passent, qui sont passés notamment sur les journaux. Et on a parlé des enfants zoharis sur les journaux. Ouais, c'est des choses très très graves. Il faut faire attention à ces enfants, ça. Ça, c'est indéniable. As-tu des regrets? Par exemple, aujourd'hui, avec le recul, est-ce que tu regrettes d'avoir signé Marwa ou de l'avoir un jour contacté? Tu sais, quand tu fais les choses, tu les fais sur place, tu réfléchis pas forcément à un truc négatif. Tu vois? Mais ça t'arrive après coup de dire... Mais te dire qu'il n'y a pas de regret, ce serait te mentir. Okay. Ce serait te mentir parce que forcément, quand tu étais au top et que d'un coup, tu te retrouves avec toutes ces histoires-là, tous ces problèmes-là sur le dos, ouais, tu as un peu de regret, je pense. J'ai une question à te poser, mais je suis un petit peu gêné. Il y a aussi beaucoup de bruits de couloir qui disaient que Marwa, elle était un petit peu à fond sur toi, qu'elle ambitionnait de se marier avec toi. Est-ce que tu confirmes ces rumeurs? Toi, qu'est-ce que t'en penses? Parce que en tant qu'homme, quand une fille a une attirance, c'est des choses que tu remarques, tu vois. Et vous travaillez quand même ensemble, donc il y avait une proximité, vous voyez en studio, etc. Je pense que tu l'aurais remarqué. Qu'est-ce que t'en penses aujourd'hui, toi, de tout ce qui s'est dit? Je préfère que ça reste des rumeurs, en fait. Moi, comme je t'ai dit, j'avais une forme d'affection, parce que c'était comme une tutoresse, de mêmes origines et tout ça, et c'était ça, c'est tout. Pas plus, en fait. Si tu veux, j'ai peut-être été trop gentil, trop ouvert, mais c'est pas plus que ça. Après, tout l'autre personne pense, je sais pas, je pourrais pas te le dire exactement. Ok, mais il y a jamais rien qui t'a fait penser, peut-être une action ou quelque chose, non? Ou un mot, une parole, où tu te dis, il y a peut-être ambiguïté, peut-être qu'elle pense qu'il y a ambiguïté, ou peut-être que non, jamais. À ce moment-là, tu fais des choses à 150 à l'heure. Ouais. Donc il y a plein de monde, il y a plein de choses. Ok. J'ai pas forcément relevé de grande attirance, ou je sais pas quoi. Pour finir sur une note un peu plus fun, musicalement parlant, où est-ce que t'en es? Est-ce qu'on va avoir la chance d'entendre un prochain album bientôt? Je sais pas encore, mais on aura la chance d'entendre des projets de mon label. De ton label. Ouais. Mais ça veut dire que, parce qu'aujourd'hui tu produis toujours des artistes. Toujours. Mais de toi. Pourquoi pas un jour peut-être. Dernière question, qu'est-ce qu'on pourrait te souhaiter pour l'avenir? On aura Brahat Libel, la paix. Et puis, tu vois, la tranquillité pour faire ce que j'ai à faire, pour continuer de faire ce que j'ai à faire. Bah, je te le souhaite vraiment, tu le mérites. Merci. Mais merci à toi, merci d'avoir accepté cette interview encore une fois, merci d'avoir répondu avec autant de sincérité. Et j'espère vraiment t'apporter toutes les réponses à tes questions qui sont encore en... J'espère aussi. Et puis, c'est des choses graves, donc la vérité dans ça, c'est toujours mieux. Tu vois, et je préfère, moi, mourir dans ma vie en connaissant cette vérité, même si
même si je me dis, oh merde, je me suis trompé, tu vois, genre, j'ai fait vraiment une grosse connerie dans ma vie, je préfère mourir en sachant la vérité que comme ça, toi. She said that she hate me, I hate me too. I can always tell when you're lying, girl, you see through. All these miles away, yeah. La famille, je viens tout juste de sortir d'une des plus grosses interviews que j'ai faites. Donc j'étais avec l'artiste. Il m'a confirmé pas mal de choses que ses proches m'avaient dit avant lui, des bruits de couloir que j'avais entendus, etc. Donc il me tarde d'aller au Maroc parce qu'il faut à tout prix que je démêle, pardon, le vrai du faux. Mais avant d'aller au Maroc, où il y a déjà mon équipe d'ailleurs qui sont en train de me mâcher le travail, j'aimerais beaucoup rencontrer ce fameux monsieur C et ce fameux monsieur R également, puisqu'ils font partie intégrante de mon histoire. Donc il serait intéressant, je pense, et pour vous et pour moi, d'avoir leur version également. Arrivé sur place, il me propose à boire et enchaîne en me disant « Donc c'est toi que je dois découper ?» Donc c'est toi qu'on doit découper en deux. Photo au karting, photo à l'after room, photo au resto, photo chez sa grand-mère. Donc t'as filmé leur grand-mère en soirée. Le seul truc qui peut lui porter préjudice, tu l'as pas filmé. Qu'est-ce qu'il a ? Il avait plus de batterie, ce enfant. Moi je lui avais le cul, je lui payais ses cigarettes, donc après quand il me disait fasse ton numéro, c'est pas comme il a envie. Donc c'est pour ça que j'ai mal pris le truc. J'ai dit t'as un fou ton truc. Sans que tu me dises en fait, c'est comme si avec tu t'as un contentieux avec lui, tu lui expliques pas, tu lui dis vas-y, trace ta route. Après avoir passé 10 ans avec, t'as un fou, c'est un manque de respect. تتعرفي شي واحد كان تيجي لهنا سميتو ابراهيم درموزي ابراهيم درموزي لا سي بون جي شونجي دافي جي شونجي دافي تو لو با لا صافي خويا